now with me. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de plusieurs personnes parce que comme vous le savez, certains youtubeurs sont des putes de luxe, prennent des hôtels 5 étoiles. Moi, gentil youtubeur que je suis, j'ai pris une petite maison avec mes abonnés. Alors je déconne, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai pris une petite maison avec les abonnés, donc il y a Yacine. Que vous connaissez, bon lui c'est un pote hein, mais bon. Après la plupart de mes potes, ben, des abonnés. Là, ce mec est très gênant. Voilà, notre poteau Ben Laden, comment il appelle Momo. Pourquoi tu l'appelles Ben Laden, dis-moi. Voilà, oh c'est méchant ça. Salut. Voilà. Salut. Voilà. Et enfin, montre-nous les chicots, frère. Ouais, arrête, Yacine, il a les mêmes que moi, regarde. Et j'ai envie de vous présenter l'IA. Hein, mais attends, avant, je vous présente Mirza. Et je voulais vous présenter quelque chose qui est arrivé à l'IA. Le caca de Mirza, plus du caca de Mirza. Voilà. Non, Starfalla, non, non, non. Bon, madame, on va visiter l'appart avec les abonnés. Les frères et sœurs, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos comme ça, n'hésitez pas à exposer la barre des likes. On va visiter l'appartement qu'on a pris avec les abonnés. Enfin, je dis des abonnés parce que au départ, c'est des abonnés, mais c'est devenu des potes. Mirza, c'est moi qui rentre en premier normalement avec ton cul sale. Voilà, déjà, la maison, ça donne ça. Canapé ici. Meuble ici, tac. Chauffage ici. Qu'est-ce que tu fais toi? Ici les gars, on a une petite terrasse pour fumer si vous voulez. Oh terrible. Matin, petit café club. Moi je fume pas mais... Ici c'est quoi? Ah c'est les shots. Ça va sentir bon ici. Ça va sentir très très bon ici. On va allumer les lumières les gars. Alors... Ah, il y a un frigo? Bah heureusement. 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 Oh il y a un congélateur. Heureusement. Pourquoi tu frappes? Parce que j'ai envie de te gifler. Parce que t'as fait Oussama Ben Laden, c'est pas bien. Là-haut, l'étage. L'étage, en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Qui... Amine, il est tombé sur le canapé. Quand je l'ai vu, il a voulu monter, ce moment, il l'a poussé. Il est tombé? T'es un enculé, mon gars. Vas-y, viens, vas-y. Je vais pas dire de gros mots, on est en vidéo. Ça, c'est la chambre de Momo. Et ça va, putain les mecs. Oui. Arrête. Eh les gars, la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Oussama, c'est ta chambre ici. Ah ouais. Eh viens voir ta chambre, regarde. Regardez ta petite douche. Ouais, ça va, papa, tes petites chiottes. Ouais. Oussama, t'es un mec chaud. Ça c'est... Non mais alors lui, il est vraiment con. Alors je sais pas, soit c'est un forceur, soit c'est un con. Comment est-ce? Bon, je pense que je serai pour les deux. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est trop fort. Allez, on continue la découverte de la maison. Ça c'est ma chambre ici. On n'a pas de chiottes. Putain, on n'a pas de chiottes nous. Ouais. Oussama, on va changer de chambre. On va changer de chambre, hein. Non. Ferme ta gueule, c'est la loi. Eh, c'est la loi du plus fort non, ici. C'est mort, attends, non, Mirza, elle est où ta chambre? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de chiottes. Hop. Oh non. Vas-y, puis c'est dans le lavabo. Ah, c'est dégueulasse. Et on fait caca dans le lavabo aussi, par là. Mais tu vois, je suis une fille et j'ai pas envie de... Non, mais les gars, ouais, c'est vrai, c'est une fille en plus. Elle va pas aller dans les chiottes. Ouais, les gars, ça le fait. Bah c'est bon. Ça fait pas mal, tu vas changer de chambre. Vas-y, Oussama, mais faut respecter les femmes, Oussama. Tu sais, des fois, t'as bien utilisé ce truc-là. Voilà. Non, mais tranquille. Moi, ça m'arrange parce que je suis avec elle, je dors avec elle. Donc, forcément, si elle prend la bonne chambre avec les chiottes, moi, ça m'arrange parce que j'aurai les chiottes aussi. Ouais. C'est pas grave. Eh, c'est qui? Attends, c'est qui paye le plus cher ici? Bah c'est moi. je rigole, c'est lui. Voilà, merci. Prends ta gueule, ça. Y'a encore en haut? Ouais, je suis à un autre étage. Ouais, je vais dormir dans le lit avec Pédon. Ouais, je cherche un direct. Je me tiens pécheuse. Oh, c'est terrible. Ah, mais c'est beau comme tout ici. Ah mon loulou. Coquine, va. Une petite ville. Allez. Tu sais que c'est grand amour. Ah, oh, ça fait du bien. Le gros front, quoi. Ah, eh, attendez. Moi. Par contre, j'ai un message à passer. Le policier qui m'a vu à l'hôpital et qui suit les vidéos d'Abdel. Eh, big up à toi, gros. Eh, y a un policier, gros, à l'hôpital. Il m'a dit, c'est toi le narvalo qui joue au foot en caleçon dans la rue. Donc, oh, il est j'ai lu bien. Sur ton badge, Sébastien. Big up. Qui a pris sa PS4?
Ben Laden. Waouh, waouh, fais attention avec ton caca, toi. Fais attention avec le caca que t'as dans les pieds. Mais quoi? T'as regardé son caca, l'autre, avec son caca en train de se balader. Eh, il s'est pris le mur. Oh, y'a la trace de son crâne. Dégage, sors. Eh, mais les gars, ici, regardez. Oh, les gars, voilà, ici, ça va faire quoi? Du Assassin's Creed, les gars. Regardez en face l'immeuble. Oh, y'a pas que toi, c'est le deuxième qui se cogne. Putain, il est mis partout, ma mère. Ah ouais, ici, ce collier. Attends, mais vous avez là, une clim, vous avez une clim. Voilà, Mitsubishi, la clim. Chauffage. Voilà, une petite lampe au-dessus du crâne. La douche. Attendez, je vous enlève la luminosité. Eh, hey, Pedro, tu pourras chier tranquille. Ah, tranquille, hein. On ferme la porte, comme ça, ici, on m'entend. Ah, je réduis un peu la luminosité, là, je l'augmente un peu. Ah, voilà. Non, peut-être, j'ai un cassard de toilette. Liouche. Là, c'est qui dort ici? Moi, Yacine. Putain, vous êtes bien, bande d'enculés, vous avez une baignoire et tout. Ça va être cheap, mais ça va. On va prendre des petits verres. Par contre, il y a des traces. C'est par contre, toi, il y a Mirza qui a fait caca ici, quoi. Il y a des traces, c'est pas très. Hein. C'est pas très Charlie, tout ça, hein. Voilà, voilà, les frères et sœurs. Vous avez découvert l'appart que j'ai pris avec mes abonnés. Petit dressing, tout ça, on est bien. Du roi là. Attends, fort. Wow. Pas. On a pris... Franchement, on a pris une putain de maison de dingue ou pas? Pourquoi c'est bordel ici? C'est des trucs pour les lits, je pense. Je sais pas, c'est chelou, hein. Détecteur détecteur de mouvement. Avec une caméra, non? Ouais. Ouais, avec caméra. Enfin, ça, c'est pas une caméra, c'est appareil photo. Quand ça détecte, hop, ça photographie les gens. Tu sais, à l'entrée de la porte, ils aiment le même truc que toi. Détecteur de mouvement. En bas aussi. Oussama! Oussama, hein, Oussama! Bon bah voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi ouais, j'en pense c'est que c'est magnifique. Nickel, magnifique la maison. Surtout ici l'espace de vie, tout ça est très bon. Là, ça va s'installer la PlayStation les gars, là on va se mettre la Play. Hein les gars, là ça va se mettre la Play. Tu vois la PS4 elle va passer ici. Ouais. Avec les manettes ici et tout. Ça va taper des putains de trucs là. Tac, ici, ici. Alors les frères et sœurs, j'ai un truc à vous proposer. Non mais attends, on a un nouveau colocataire. Qui? Hamid, il nous a dit qu'il paiera en petite partie, tu vois. Ouais. Mais il va dormir avec nous cette semaine avec AD. Ouais. Du coup, le clic-clac, on va le déplier, ils dormiront ici et Dan, ils dormiront ouais. Là. Ouais, ouais. Je vais juste regarder si ça se déplie. Et ce soir, on va le match PSG sur la télé là-bas. Pedro, regarde s'il se déplie le. Oui, il se déplie, je crois. Ah ouais, nickel. Oh là, oui, c'est nickel, regardez, il se déplie. Hamid, tu vas trop bien dormir. Hamid ouais. Tu dormiras ici. Et je pense qu'il y a des affaires de nuit là-haut. Là ouais, ça se déplie. Tu me filmes avec AD. Ouais. Bah et puis voilà. Les gars, vous descendez. Venez tous. Ouais, s'il vous plaît. Et puis Dai, il dort. On dirait un éducateur, frère. Dors en face de ah, moi. Les gars. Ah, mais ton cul. Les frères et sœurs, je sais pas si ça vous intéresserait. Je sais pas si on le fera à 100%. Je verrai bien si vous appréciez cette vidéo. Mais pourquoi pas faire des courses avec les abonnés ensemble, avec vous. Ça pourrait être sympa, je des vais courses. Réfléchir. Oui, des courses ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, au départ, tous ces gens que vous voyez, ce sont de simples abonnés comme vous. Hey, qui veut un café ? Nique ta mère. qui sont devenus de très bons amis avec le temps, et du coup, bah, c'est devenu comme des frères, en fait. Et du coup, bah voilà. En fait, moi, je suis venu à la Paris Games Week pour voir vous tous, mais je suis venu également aussi pour partager du temps avec eux aussi. Et je me dis que prendre un appart tous ensemble, ça va être la patate. Ce soir, les gars, on va aller acheter des chips, des poissons. Ça va être le feu. Enfin, foutre le bordel, ce soir. Des poissons. Excellent. De quoi ? De l'Arissa, c'est ça ? Ouais. De l'Arissa. Voilà, en tout cas, on vous a présenté un peu cette petite baraque. Cette petite baraque, elle a comme 3 étages. 3 étages. Voilà, il y a 4 chambres, je crois. Ouais. 4 chambres. C'est ça. 3 chambres. Une au-dessus, 2 au milieu et. Ouais, une en haut, une et deux. Ah, je crois 4 chambres. Hein. Ouais, il y a 3 chambres, avec, bon, okay. Avec des lits ici. Voilà. Ok, ouais, 3 chambres avec des trucs qui se mettent ici en forme de lit donc. Ça le fait. Voilà, normalement, logiquement, il y a 8 places ici et on va faire dormir Hamid en plus, on va faire dormir une personne en plus. Voilà. Ça serait bien de fermer votre gueule pendant que je parle. Ferme ta gueule pendant que je parle. Voilà. Merci, c'est comme ça, c'est la politesse. Bref, en tout cas, les frères et sœurs, je vous demanderai vraiment un maximum de likes. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, j'espère que cette baraque dans laquelle on va passer 5 jours avec les abonnés vous a plu. Voilà. Bref, il n'y a rien de mieux que passer du temps avec ses abonnés parce que, vous savez, les collègues youtubeurs, hein, c'est cool. Ça t'appelle frère, ça t'appelle poteau, mais bon, ça t'oublie vite. La meilleure des choses que j'ai rencontrées dans ma vie, ce sont les abonnés parce que eux t'apprécient pour ton contenu et pour la personne que tu es avant tout. Donc non, c'est pour ça que je trouve. Choses, c'est lié à espèce de bâtard.
oublie les vrais principes. Nous, on est que des enculés. Bref, on vous fait de gros bisous. Croyez-moi, restez connectés sur la chaîne parce que ça va faire du sale ici. Il y a 3 étages, il y a des toits. Ça va faire du sale. Pedro, maintenant, faut que dans un magasin, on va acheter des pétards. On va acheter tout ce qu'il faut, frère. T'inquiète bien, toi. Ça va baiser des races ici, on va faire du sale. Ils ont pas entendu, ils ont pas entendu. On va faire du sale, ouais, non, enfin. Toi et moi, après, on ira, je vous le dis à vous aussi, toi et moi, après, on ira avec le véhicule. On part, on va acheter des pétards, des déguisements et tout. Et on va leur faire du sale, pardon. En équipe. Ouais, donc, vas-y. Bref, les frères et sœurs, je vais juste prendre soin de vous et de l'AMIFA. On vous dit à très très bientôt. Pour ceux qui voudront peut-être savoir combien on est, je crois qu'on est 9 ici, tous ensemble. 8. Non, il y a Hamidia Deros qui est donc 9 alors. 9, voilà. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de l'AMIFA. C'était GameX13 et les abonnés. Et il y a du caca sur nous. Prenez soin de vous et de l'AMIFA. Et Mirza, du coup, voilà. Parce que, et Mirza caché sur l'IA pendant qu'on était en voiture. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. I talk to you. Take my hand through